Magellan, c'est un voyou tordu sur lequel on frotte avec des grains. Ok, donc nous sommes dans la plantation du milpa. Donc ça c'est du maïs avec des haricots grimpantes et une courge rampante. L'idée étant, pour ceux qui ne connaissent pas le milpa, c'est que le maïs va pousser en hauteur avec une tige bien ancrée dans le sol, bien costaud, pour apporter de l'azote à ce pied derrière de maïs qui est assez gourmand, qui a besoin de pas mal d'azote pour réussir et donner une belle récolte. Ben, on va planter une haricot grimpante ou plusieurs haricots grimpantes au pied. Donc l'haricot va servir du maïs comme tuteur et le maïs va servir du haricot comme fournisseur d'engrais azoté, dont l'azote tiré de l'atmosphère par les microbes qui vivent en symbiose avec les racines des haricots. Et pour couvrir le sol, des courges rampantes. Donc ici j'ai mis le bleu d'Hongrie. Alors donc c'est quoi les paramètres pour bien réussir ce culture ensemble? Il y en a plusieurs et ça j'espère vous communiquer des clés de réflexion aussi en même temps que je vous explique la technicité pour bien la réussir. Alors là je le fais en première année d'installation. Juste par rapport au sol. Nous avons un sol qui était comme le reste, mulché en décembre pour effectuer un désherbage le plus naturel possible par l'étouffement. Donc là, on va juste regarder, on va arracher un peu de foin et on va regarder en dessous. On va voir qu'il n'y a plus d'herbe. Okay. Mais cette herbe, voilà, elle fait une tentative de repousse quand même. Donc on va la maintenir couverte.